It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. Absente de la sphère publique depuis des mois, Kate Middleton met fin au suspense sur son état de santé. Assise seule, l'air solennel dans un jardin de Windsor, la princesse de Galles révèle qu'elle est atteinte d'un cancer dans une vidéo publiée par le palais de Kensington. But for now, I must focus on making a full recovery. C'est durant sa convalescence à la suite d'une opération à l'abdomen en janvier que la maladie a été diagnostiquée, raconte la princesse de 42 ans. Un choc immense pour le couple royal qui dit avoir agi dans la plus grande discrétion pour permettre à ses enfants d'encaisser la nouvelle. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. Le palais de Kensington n'a pas précisé la nature du cancer, mais indique que Kate Middleton a commencé des traitements de chimiothérapie. Elle se retire de ses responsabilités d'altesse royale jusqu'à nouvel ordre. And how our monarchy functions during that time, that will be a test of extraordinary individual resilience. La semaine dernière, la publication d'une photo retouchée de la princesse avait provoqué une véritable tempête médiatique. Après une déferlante de rumeurs, de nouvelles images montrant le couple royal en pleine séance de magasinage, l'air léger, avaient rassuré le public sur l'état de la princesse. Sa sortie fait voler cette image en éclats. Obviously, like, I'm just completely shocked, and it was just, it's crazy that, like, I was actually, like, right in front of Buckingham Palace when I found out, and it's quite a shock. Une autre tuile qui s'abat sur la famille royale après l'annonce du cancer du roi Charles en février. À l'instar du monarque, Kate Middleton implore le public et les médias de respecter sa vie privée pour lui permettre de prendre du mieux. I am well. I'm getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Solidaire avec ceux et celles qui, comme elle, souffrent du cancer et bravent la tempête. Ici Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal.